Alors peut-être juste avant de commencer mon propos, une petite remarque en préambule. Pourquoi le choix de Michel Foucault? Pour deux raisons. La première raison, mon propos tournera autour d'un livre de Michel Foucault qui s'appelle « Surveiller et punir ». Je vous l'ai apporté, vous pourrez le feuilleter si vous voulez. J'ai choisi ce livre pour que ceux qui le souhaitent puissent prolonger ce qu'on va dire par la lecture de ce livre. Cela veut dire que je pense qu'il est important, lorsqu'on fait de la philosophie, de lire aussi des philosophes. Malheureusement, tous ne sont pas immédiatement abordables. Ce ne retire rien à leur qualité de leur ouvrage. Mais je pense que le livre de Michel Foucault, « Surveiller et punir », c'est vraiment un livre qu'on peut lire, même si on n'est pas philosophe de formation. Et je dirais même plus, c'est un livre qu'on doit lire. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de vous montrer. Voilà. Bon, puis l'autre raison pour laquelle j'avais proposé à Michel, et il a accepté de parler de Michel Foucault, c'est que Michel Foucault a élaboré un concept qui s'appelle le biopouvoir, qui est très très présent, très discuté, qui nourrit et qui suscite beaucoup de recherches dans le champ des sciences sociales, donc pas seulement en philosophie, en sociologie, en ethnologie, en anthropologie, en philosophie politique, on parle beaucoup de biopouvoir, donc c'est peut-être un terme que vous rencontrerez dans l'actualité. Voilà, alors commençons tout de suite. En guise d'introduction, je vais vous proposer une question, la question qui va guider mon propos, une question simple, et puis une réponse, bien sûr, une thèse que j'aimerais vous proposer, qui est bien sûr ouverte à discussion. La thèse, elle, est un peu moins simple que la question. Voilà. Alors la question d'abord, la question que je vous propose pour ce matin, c'est de se demander, de s'interroger à partir de l'œuvre de Foucault, À partir de quand le terme d'individu apparaît-il dans le champ du discours politique? Quand voit-on le terme individu, le concept d'individu, apparaître dans le discours que tient l'autorité politique? Alors évidemment, quand je dis « quand », ce n'est pas simplement une analyse historique qu'on va mener, mais ce sera aussi de se demander pourquoi parler d'individu, comment parler d'individu, et ce qu'il est important de noter dans cette question, c'est que le choix du terme « individu » n'est pas anodin. On peut imaginer que le pouvoir politique s'applique à autre chose qu'à des individus. Alors, je vous donne quelques exemples. On peut penser que le pouvoir politique s'applique à des citoyens. On peut penser que le pouvoir politique s'applique à des sujets. On peut penser que le pouvoir politique s'applique à des hommes, à une nation, à un peuple, à tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que le pouvoir politique s'applique à des individus? D'accord? Ce choix de vocabulaire entraîne des conséquences et présuppose un certain nombre de choses. Donc, maintenant, aujourd'hui, dans le temps de mon intervention et après dans le débat, j'aimerais avec vous essayer de faire apparaître ces présupposés et ces conséquences. Quels sont les présupposés de ce concept d'individu? Quelles sont les conséquences de l'utilisation de ce concept d'individu? Donc je ne vais pas parler des individus. Les personnes là à l'arrière... Vous n'entendez pas? Je vais augmenter le range. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui? Moi, je vais mettre ça plus près encore. Ça va comme ça? Approchez-vous le plus possible, hein, s'il y a des places. Bien. Ça va comme ça? C'est mieux? Ok. D'accord. Michel, tu peux venir là avec ta maman ou une chaise. Viens, elle sera mieux ici. Donc voilà pour la question que je me suis donnée. Essayer d'étudier quels sont les enjeux théoriques de ce concept. Donc je ne vais pas parler des individus, je vais parler du concept d'individu. Et la réponse, donc la thèse que je vais essayer de voir avec vous, qu'on va mettre à l'examen, est la suivante. La réponse sera la suivante. Il me semble que la notion d'individu, le concept d'individu, la notion a servi à défendre une certaine conception de la liberté. En d'autres termes, à une certaine époque, dans l'histoire de la philosophie politique, on s'est mis à parler d'individu pour défendre une conception de la liberté, on verra laquelle, et de ce point de vue-là, l'individu a servi comme un instrument de libération et de résistance au pouvoir politique. Cette époque est révolue,
Et aujourd'hui, voilà notre problème, aujourd'hui, ce concept d'individu n'est plus un moyen de libération, il est devenu au contraire un des instruments qu'utilise le pouvoir pour s'assurer l'obéissance de ceux sur lesquels il s'applique. Donc ce n'est plus un instrument de libération, il y a eu une sorte de renversement de cet usage du concept d'individu. Et maintenant, effectivement, le pouvoir s'accommode tout à fait du fait qu'il a affaire à des individus. Ça ne le gêne pas, il sait tout à fait comment faire pour gérer ça. Donc vous voyez les enjeux, il y a un renversement. Ce qui servait à résister au pouvoir devient maintenant un facteur d'assujettissement et d'obéissance au pouvoir. Et ce qui est apparu hier dans les débats, c'est que je pense que nous vivons une époque de crise de cette notion d'individu, qu'on ne sait plus trop comment l'utiliser, qu'on sent bien qu'il y a cet héritage précieux, mais qu'aujourd'hui, il ne fonctionne plus comme instrument de libération. Alors, je vous donne un petit indice de cette problématique, un petit indice significatif. J'ai regardé les différents textes qui énoncent les déclarations des droits de l'homme, les différentes déclarations des droits de l'homme dont on a parlé hier. Et si on les regarde, si on les relit attentivement, on s'aperçoit que, au départ, le terme d'individu n'apparaît pas, et que peu à peu, le terme d'individu devient de plus en plus important, et qu'il finit par être très très présent. Alors je vous donne trois exemples. Dans la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, qui date du 4 juillet 1776, donc avant la Révolution française, il n'y a pas le terme d'individu. Cette déclaration parle de citoyens, de sujets, d'hommes, mais pas d'individus. En 1789, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le terme individu n'apparaît qu'une seule fois. C'est l'article 3. Alors je vous le lis. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Et après, on passe à autre chose. On va parler d'autre chose. On va parler d'hommes, mais pas d'individus. En 1793, nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en 1793, le terme individu n'apparaît qu'une seule fois aussi. Là aussi, je vous lis l'article, c'est l'article 27. 1793, dans l'article 27, qui dit la chose suivante. Alors là, c'est assez étonnant pour votre problème, écoutez bien. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres, et non pas par les individus libres. Donc, ici, vous voyez bien que le terme individu ne suscite pas la confiance, et au contraire, suscite plutôt une certaine méfiance. Donc on se dit, l'individu n'est pas à l'honneur dans cette déclaration. Et puis, je fais un bond dans l'histoire, en 1948, on rédige donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, et là apparaît de nombreuses fois le terme individu. Et pas du tout comme un objet de méfiance. Je vous lis l'article 3 qui dit la chose suivante. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté. Et il ajoute de sa personne. Alors, est-ce que tout individu a le droit à la vie? Est-ce que c'est la même chose que tout homme a droit à la vie? Est-ce que ça veut dire absolument la même chose? Est-ce que les deux termes sont absolument équivalents? Les révolutionnaires de 1789 se méfiaient du terme individu et ils n'hésitaient pas à le mettre à mort à l'aide des hommes libres. En 1948, il y a plein d'individus dans cette déclaration. Alors, la déclaration de 1948, elle utilise indifféremment homme, individu, personne. J'ai essayé de regarder s'il y avait un principe qui explique le choix de ces termes. C'est pas très très évident. En général, quand on parle d'individu, c'est pour l'opposer à la communauté. L'individu, qu'est-ce que c'est en 1948? C'est le contraire de la communauté. Je vous donne un exemple. L'article 29 de la déclaration de 1948. L'article 29 dit « L'individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. » Et on voit le terme « personnalité » et donc la personne en vue. Donc, il y a une sorte d'équivalence qui s'est mise en place en 1948, qui n'était pas pensable en 1789, et qui était même impensée en 1776.
Et donc, ce que nous allons étudier, c'est ça. C'est comment ce terme d'individu, peu à peu, en vient à prendre de l'importance. Alors, je termine cette introduction en essayant de vous indiquer les enjeux de l'usage de ce terme d'individu. Finalement, pendant très longtemps, l'individu, c'est ce que l'on va opposer à l'autorité politique. Ce qu'on oppose à l'autorité politique, quand elle menace de nier l'individu, de le noyer dans la masse sociale, ce sont les exigences de l'individu, et notamment sa liberté. Ce qui explique ce qu'on a constaté hier, vous vous souvenez, qu'aujourd'hui, individualisme est synonyme de libéralisme, et qu'on a tendance à rapprocher les deux, parfois à les confondre. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que individu n'est pas synonyme de liberté, mais qu'il a été à une époque, il a été pensé comme ça à une époque. D'accord ? Alors l'enjeu, bah, du coup, il est simple. Si ça a changé aujourd'hui, ce n'est pas en invoquant la notion d'individu qu'on résistera à un pouvoir lorsqu'il est injuste. Ça peut arriver que le pouvoir politique soit injuste. Ça peut arriver qu'il faille s'opposer à l'autorité politique. Eh bien, à ce moment-là, si le pouvoir politique a pris en compte des individus et s'accommode des individus, on ne peut plus lui opposer les droits de l'individu, puisqu'il en tient compte. Il va donc falloir s'opposer sur autre chose. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. C'est ça qu'a vu Foucault. Ce que montre Foucault avec ce concept de biopouvoir, c'est que le pouvoir politique aujourd'hui prend deux formes très différentes. Il porte sur des groupes, des masses, mais il porte aussi sur des individus. D'accord ? C'est contradictoire, vous allez me dire. Comment un même pouvoir peut-il porter sur un groupe et sur les membres de ce groupe, sur les individus en particulier ? Il faut inventer une nouvelle forme de pouvoir. C'est pour ça que Foucault forge ce concept de biopouvoir. Le biopouvoir a deux versants, deux aspects. Un aspect par lequel il porte sur des masses, un aspect par lequel il porte sur les individus. Alors, j'insiste là-dessus parce que je vous ai dit en commençant que le concept de biopouvoir est très présent actuellement dans les recherches sociales. En général, on ne voit qu'un des deux versants. On ne voit que le versant, je dirais, totalisant du biopouvoir, celui par lequel il s'applique sur les masses. Et on oublie que dans l'analyse de Foucault, il y a aussi un versant par lequel le biopouvoir s'applique sur les individus. C'est dans Surveiller et punir qu'il explique ça. D'accord ? Donc vous avez compris, ben je vais vous présenter ces deux versants. Et avant de vous présenter ces deux versants, ce sera le premier point de mon intervention, j'aimerais voir comment on faisait avant, comment ça se passait avant qu'on parle d'individus. Avant qu'on introduise cette notion d'individu, comment la philosophie politique pensait-elle les rapports de l'individu au groupe, ou du particulier au groupe, ou de l'homme au groupe auquel il appartient ? Alors là aussi, je suivrai quelques points qui sont des analyses de Foucault. Alors je vous propose pour ça un petit, petite remarque méthodologique. Je me suis donné comme principe de méthode la chose suivante, pour nourrir notre débat après. Pour comprendre un mot comme individu, il est intéressant de mettre autour de ce mot d'autres mots qui en sont proches, soit parce qu'ils sont synonymes, soit parce qu'ils s'opposent à ce mot. Donc je vais essayer, dans le cours de mon exposé, de mettre en regard le mot individu avec d'autres mots dont il faut le distinguer pour éclairer peut-être nos problèmes. D'accord ? Et je vous propose un premier mot, ce sera le premier point. Individu et organisme, est-ce que c'est la même chose ? Alors pour ça, je vais remonter aux origines de la philosophie politique. On va partir du tout début, et donc on va partir de Platon. Platon a écrit un grand livre de philosophie politique qui s'appelle « La République ». C'est un grand, grand livre, hein. C'est pas un livre facile, hein. Donc quelques mots sur ce livre de Platon. Est-ce que Platon parle d'individu dans La République ? Qu'est-ce qu'il dit des individus ? En apparence, il semble que l'individu soit présent dans la République de Platon. Pourquoi ? La République de Platon, c'est un livre qui porte comme sous-titre sur la justice. Et donc Platon se demande, qu'est-ce que c'est la justice ? Et il a une idée, il dit, pour savoir ce qu'est la justice, je vais essayer de voir ce que c'est qu'un homme juste. Un homme juste. Et c'est ça qui est très intéressant pour notre problématique. Il étudie ce qu'est la justice au niveau de l'individu. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'un homme juste ? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme juste ? Et il essaye d'étudier ce que c'est qu'un homme juste. À quoi je reconnais qu'un homme est juste ? Donc on a l'impression ici qu'on parle bien de l'individu.
Et Platon a une idée géniale, une idée de méthode extraordinaire. Il s'est dit, bon voilà, c'est trop difficile de voir ce que c'est qu'un homme juste. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour bien comprendre ce que c'est qu'un homme juste? On va regarder une image agrandie de cet homme, une image en grand, comme si cette image était projetée sur un mur qu'il agrandit. Et cette image, ce sera la cité, c'est-à-dire la communauté politique. Et on passe de la question « qu'est-ce que c'est qu'un homme juste ?» à la question « qu'est-ce que c'est qu'une cité juste ?» Qu'est-ce que c'est que vivre dans une communauté juste ? Et vous voyez ici une sorte d'emboîtement parfait entre l'individu et le groupe. L'homme juste, c'est la même chose que la cité juste. Ou tout du moins, il y a un rapport, et c'est en observant une cité juste qu'on va comprendre ce que c'est que l'homme juste. Alors, est-ce que là, il y a de l'individu ? Est-ce que là, Platon parle d'individu ? Est-ce qu'il dit, finalement, il faut comprendre ce qu'est un individu en observant son image agrandie qu'elle groupe ? Alors, j'y viens dans un instant, et c'est là qu'on va voir apparaître le terme d'organisme. Cette image aura une postérité considérable. Elle va se mettre en place dans la philosophie politique sous le nom de métaphore organiciste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette métaphore organiciste ? Elle consiste à voir la communauté politique comme un corps social, comme un organisme vivant. Et elle va traverser la philosophie politique. Tous les auteurs vont partir de cette idée que la communauté politique, c'est un corps social, et qu'elle est un corps social comme nous sommes un corps vivant, nous, en tant qu'individus. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a un corps social ? Petite remarque, on appelle cette métaphore la métaphore organiciste. On ne l'appelle pas la métaphore individualiste. Donc, ça veut dire, de mon point de vue, qu'on pense la politique à partir du modèle de l'organisme et pas du modèle de l'individu. Alors, c'est quoi la différence ? Quelle serait cette différence entre un organisme et un individu ? Moi, je vous en propose une. Dans un organisme, il y a plusieurs parties. Ça, des organes. Et le propre de ces parties, c'est qu'elles sont mutuellement dépendantes les unes des autres. Donc, dans un organisme, il y a des parties interdépendantes. Et ce qui permet de comprendre ce que c'est qu'un organisme, c'est cette dépendance mutuelle des parties les unes aux autres. Vous comprenez bien que le propre d'un organe, c'est que s'il est séparé du corps auquel il appartient, il n'a pas de subsistance en lui-même. Il ne peut pas vivre. Et si on l'arrache au corps auquel il appartient, le corps lui-même meurt. D'accord ? Je prends un exemple très simple. Dans notre corps, nous avons un cerveau, nous avons des poumons, nous avons un cœur. Ces trois organes sont interdépendants. Si l'un des deux est défaillant, l'ensemble du corps meurt. Et je pense que penser la communauté politique en termes d'organes, c'est ça. En termes d'organisme, c'est ça. Il y a des parties dans le corps politique, elles sont toutes mutuellement dépendantes les unes des autres. Et c'est d'ailleurs ce que va montrer Platon dans la République. Il va montrer comment créer cette interdépendance entre les différentes parties de la cité. Il y a des hommes qui vont gouverner, il y a des hommes qui vont être des soldats et qui vont défendre la cité, et il y a des hommes qui vont produire les objets de consommation, qui vont faire le commerce, qui vont être des artisans. Comment s'organisent les rapports entre ces parties ? D'accord ? Ça, c'est l'organisme. Et du coup, vous voyez où je veux en venir, qu'est-ce que c'est que l'individu ? L'individu, au contraire, se caractérise par son indépendance, par son absence de dépendance. L'individu, puisqu'il n'a pas de parti, est caractérisé par son indépendance. Il est indépendant. C'est d'abord un être indépendant. Et quand on parle de l'individu pour revendiquer la liberté, on revendique donc une conception de la liberté comme indépendance. Qu'est-ce que c'est qu'être libre ? C'est être indépendant. Platon n'aurait pas dit ça. C'est pas possible. Et jusqu'au XVIIIe siècle, on n'aurait pas dit cela. C'est pas possible non plus. D'accord ? La liberté, elle doit d'abord prendre en compte le fait que nous sommes dépendants les uns des autres. Quand on va introduire l'idée d'individu, on va introduire l'idée qu'être libre, c'est aussi être indépendant. Alors, il y a une conséquence fondamentale que j'aimerais pointer pour vous maintenant. Pour Platon, si les parties sont interdépendantes, s'il y a dépendance, la conséquence, c'est que
la politique est dépendante de la morale. Et elle est même subordonnée à la morale. Il y a une dépendance de la politique à l'égard de la morale. Et la théorie politique de Platon subordonne les fins politiques à des fins morales. Qu'est-ce que c'est qu'une cité bien gouvernée d'un point de vue politique ? C'est une cité juste, mais juste d'un point de vue moral. D'accord ? Alors, vous voyez où je veux en venir ? Puisque la politique est dépendante de la morale à l'époque de Platon, si je pense que l'individu est indépendant, qu'il ne dépend de rien, une des conséquences, c'est qu'on va séparer la politique et la morale. Une des conséquences, c'est qu'on va assister à une autonomisation de la politique par rapport à la morale. On va pouvoir faire de la politique sans forcément viser des fins morales. Ou les fins de la politique vont être d'autres fins de la fin morale. Alors, je vous donne un exemple de Platon toujours. Dans un autre dialogue, moins long que la République, moins compliqué que la République, et donc, que je vous invite à lire, dans un autre dialogue qui s'appelle l'Alcibiade, Socrate rencontre le jeune Alcibiade. Alors Alcibiade, c'est un des grands aristocrates d'Athènes. Il est très riche, ses parents sont très riches, il fréquente la haute société, bien sûr. Et en plus d'être très riche, il rencontre Socrate et il lui dit, tu vois, non seulement je suis très riche, mais maintenant j'aimerais bien m'occuper de mes semblables, de mes concitoyens, j'aimerais bien gouverner. Vous voyez, l'enfant capricieux typique. Hein. Et Socrate lui dit, tu veux gouverner les autres ? D'accord. Mais il va lui donner un conseil très très précieux et qui touche notre problème. Il lui dit, attention, pour bien gouverner les autres, il faut d'abord bien se gouverner soi-même. Et il dit ça, il ne dit pas ça à n'importe qui. Alcibiade est connu pour ses excès, ses excentricités. Il aimait bien le vin. Et donc, il était de notoriété publique à Athènes qu'il avait commis un certain nombre d'offenses à l'égard des objets sacrés des religions, et ainsi de suite. Donc il est connu pour ses excès. Et donc Socrate dit au jeune Alcibiade, méfie-toi d'abord de toi-même et apprends à te gouverner toi-même. Et qu'est-ce que c'est que se gouverner soi-même ? C'est se soucier de soi-même. Et là, alors c'est un échange extraordinaire entre Socrate et Alcibiade. Ce qui est intéressant, c'est que Socrate ne dit pas à Alcibiade, tu dois t'occuper de toi. Or, qu'est-ce que tu es, toi ? Tu es un homme, donc qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Non, Socrate ne dit pas ça. La question de Socrate, elle est beaucoup plus précise, beaucoup plus difficile et donc beaucoup plus intéressante pour nous. Que dit Socrate à Alcibiade ? Tu dois t'occuper de toi-même, donc qu'est-ce que c'est que ce soi-même ? Qu'est-ce que c'est que ce soi-même ? Quand je dis à quelqu'un, prends soin de toi, de quoi je parle ? Est-ce que je parle de son corps ? Est-ce que je parle de son individu ? Et la réponse de Socrate, évidemment, n'est pas du tout celle-là. La réponse de Socrate, c'est toujours la même, il la donne plein de fois dans tous ses dialogues. La réponse de Socrate, c'est que ce soi-même, c'est ce qu'il appelle l'âme. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son âme, par opposition au corps. Alors voilà un échange entre Socrate et Alcibiade qui montre que on n'est pas du tout en train de penser le problème politique en termes d'individu. On pense le problème politique en termes de rapport aux autres et de rapport à soi. Vous avez vu ce que dit Socrate à Alcibiade ? Il lui dit, si tu veux diriger le groupe, dirige-toi d'abord toi-même. Et de la République, c'était un peu l'inverse. Si je veux comprendre ce que c'est que bien se diriger soi-même, il faut observer le groupe en groupe. Ce sont deux dialogues de Platon, deux ouvrages de Platon qui se répondent, en fait. Ces deux ouvrages, ils sont symétriques et inverses en même temps. Donc voilà pour ce qui se passait avant, si vous voulez, pour l'idée que quand on ne parle pas d'individu, quand on parle d'organisme, on parle d'interdépendance. Et que quand on va mettre en avant l'indépendance de l'individu, ça va supposer une certaine séparation entre la morale et la politique. Alors, peut-être que vous en doutez, peut-être que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut encore de la morale en politique. Oui, je pense qu'il en faut. Malheureusement, ce n'est plus le cas. On peut faire de la politique sans faire de la morale. Nous avons assisté à un changement dans la politique. La politique était avant, à l'époque de Platon, je vais vous dire simplement, la politique était l'art de faire vivre ensemble les hommes,
selon un ordre juste. Aujourd'hui, la politique, c'est devenu la gestion des individus. Et quand je dis gestion des individus, je n'ai pas besoin d'ajouter gestion juste. À quoi mesure-t-on la perfection d'une politique? À son efficacité. On est passé d'une direction juste à une gestion efficace. Et comment on a fait ça? Eh bien, par le truchement du concept d'individu. À partir du moment où il ne s'agit plus de diriger des sujets de droit ou des citoyens, mais où il s'agit de gérer des individus, ce qui compte, ce n'est plus la justice, c'est l'efficacité. Ça, c'est ce que montre Foucault. D'accord? Alors, je vous propose de rentrer dans l'analyse de Foucault. Donc, vous avez compris. Deuxième point de cet exposé. Oui. Vous entendez bien au fond? Oui. Ça va? Alors, pour comprendre comment l'individu apparaît dans le discours politique, il faut le rattacher à une autre notion. Donc, deuxième mot qui va graviter autour de notre mot individu. Hein, j'ai mis le premier mot, j'ai mis le mot organisme. Deuxième mot qui était déjà sous-entendu par organisme, mais là il faut le mettre très clairement, c'est le mot de vie ou de vivant. La politique va s'intéresser à la vie et va se donner comme objet la vie et les êtres vivants. Et elle va concevoir son objet comme un objet vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je pars d'un article de Michel Foucault. Donc un article, c'est très court, donc ça se lit bien, facilement. Cet article s'appelle, d'un nom latin, « Omnes et singulatim ». Il lui a donné un nom latin, vous allez voir pourquoi, il y a une raison. « Omnes » en latin, ça veut dire « tous »,« et singulatim », »,« chacun ».« Tous » et « chacun ». D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il dit Michel Foucault dans cet article « Omnes et singulatim » ? C'est un article de 1981. Je vous donnerai, comme l'a demandé Michel, une petite bibliographie et vous pourrez le retrouver sans difficulté. Dans cet article, Foucault retrace ce qu'il appelle la généalogie de l'État moderne, d'où viennent les formes modernes d'autorité politique. Et que dit Foucault? Il dit, d'habitude, quand on fait l'histoire de l'État moderne, on observe une tendance à la centralisation, si vous voulez. L'État devient de plus en plus large, de plus en plus grand. Il s'appliquait avant sur des tribus, puis sur des groupes sociaux, puis maintenant sur des nations, des États, et ainsi de suite. C'est donc un pouvoir centralisateur. Mais, dit Foucault, le pouvoir moderne, celui dans lequel nous vivons nous aujourd'hui, est aussi l'héritier d'une autre forme de pouvoir, plus implicite, un pouvoir de type pastoral. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir de type pastoral? Et c'est ça qu'étudie Foucault dans cet article « Omnes et singulatim ». C'est un héritage de la pensée chrétienne et hébraïque. C'est l'idée que le roi est pour ses sujets comme un pasteur vis-à-vis de son troupeau. Donc un pasteur au sens celui qui garde un troupeau, hein, pas en sens protestant encore. Justement, ça viendra après. C'est une idée tout à fait étrangère à la pensée politique grecque. Dans les grands traités de philosophie politique grecque, dans tous, sauf une exception, dans aucun, on ne trouve la métaphore du troupeau. Il n'y a pas de métaphore du troupeau chez Aristote. Il n'y a pas de métaphore du troupeau chez Isocrate, il n'y a pas de métaphore du troupeau chez Démosthène. Il n'y a qu'un auteur qui en parle, c'est Platon. Et il force Platon. Et il en parle pour l'écarter. Je passe sur ce qu'en dit Platon, mais peut-être on y reviendra tout à l'heure dans la discussion si vous le souhaitez. Que dit cette métaphore du troupeau? Elle dit la chose suivante. Le pasteur est le guide de son troupeau, comme le roi gouverne ses sujets. Et les mauvais rois sont comme des mauvais pasteurs. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne savent pas prendre soin de leur troupeau. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît un mauvais pasteur? Au fait que ces animaux, ces brebis, son bétail, meurent. Qu'il ne sait pas les maintenir en vie. Alors, deux aspects notables. J'en retiens deux. L'analyse de Foucault est plus approfondie, mais moi j'en retiens deux qui sont importantes. D'abord, vous remarquez qu'avec la métaphore du pasteur et du troupeau, un roi ne règne pas sur une terre. Et non, il règne d'abord sur un groupe de personnes. La royauté n'est plus liée à la terre, elle est liée au groupe d'individus. Ce qu'il faut donc, vis-à-vis de ce groupe, c'est le guider, c'est veiller sur lui. Un bon pasteur veille sur son troupeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il le nourrit, il en prend soin,
il veille à sa santé, il lui joue de la musique. On trouve des textes, notamment dans les psaumes, où on explique que le roi doit jouer de la musique à ses sujets. Bon, lui ou sa femme, hein, c'est pareil. Bref, c'est un pouvoir qui prend en charge tous les aspects de la vie. D'autre part, le pasteur, ça c'est plus important encore, est capable de porter une attention particulière à chaque bête. C'est ça qui est fort. Le pasteur connaît chacune de ses bêtes individuellement. Ça veut dire qu'il prend soin du groupe dans son ensemble, mais qu'il a aussi, vous avez compris, une action individualisante. Il sait ce qui est bon à chaque bête. Il sait comment soigner chacune de ses bêtes. Le même remède ne va pas à toutes les bêtes. Le même régime alimentaire ne va pas à toutes les bêtes. Il y a donc dans l'image du pasteur ce double versant du pouvoir politique, à la fois totalisant, je guide mon troupeau dans la même direction, et à la fois totalement individualisant, je connais chacune de mes bêtes, au point de savoir ce qui est le mieux pour chacune d'elles. Donc vous voyez, si on prend l'image du troupeau comme référence pour l'action politique, on va avoir ces deux aspects. Alors, ça c'est dans le cadre du christianisme. Dans le christianisme, ce pouvoir pastoral est déterminé dans sa forme par la référence à Dieu. Le roi règne sur ses sujets comme Dieu règne sur... Enfin, le pasteur veille sur son troupeau comme Dieu veille sur le monde. Après la séparation du théologique et du politique, après cette scission entre l'autorité théologique et l'autorité politique, le pouvoir politique va développer sa propre rationalité. Et pour Foucault, cette rationalité, elle a deux caractéristiques principales. Elle se reconnaît à deux aspects. Première caractéristique, que je ne développe pas, mais on peut y revenir si vous le souhaitez, le concept de raison d'État. Qu'est-ce que c'est que la raison d'État? C'est l'idée qu'il y a des raisons propres à l'État, par lequel donc l'État peut ne plus avoir à se préoccuper de morale. D'accord? En général, quand l'État invoque raison d'État, c'est pas bon signe pour la morale. Donc, concept de raison d'État qui va apparaître à cette époque. Et puis, l'autre grand aspect de la rationalité politique, eh bien, c'est l'invention géniale, l'invention de cette chose géniale qui existe encore aujourd'hui, qui est la police. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la police? La police, c'est une forme moderne d'intervention de l'État sur les individus, justement. Qu'est-ce que c'est que la police? C'est l'organe par lequel l'État favorise la vie des individus. Le rôle premier de la police, qu'est-ce que c'est? C'est de veiller sur des individus vivants. Ah, ça peut paraître étrange. Alors, que fait Foucault? Foucault cite les premiers traités où on voit se mettre en place le concept de police. Comment est-ce qu'on a inventé la police? Qu'est-ce qu'on attendait de la police? Et alors, il cite un traité qui est extraordinaire. Alors, il dit que c'est un texte célèbre. Bon, moi, je ne connaissais pas. C'est un texte de Nicolas de Lamar qui s'appelle « Traité de la police » de 1705. Notons la date est importante, 1705, traité de la police. Nicolas de Lamar écrit la chose suivante. La police veille à tout ce qui touche au bonheur des hommes. Bonheur. Après quoi il ajoute que la police veille à tout ce qui réglemente la société. Et il assure à la fin que la police veille aux vivants. C'est étrange. 1705, on va associer bonheur, société. Et il ajoute, donc vous avez compris que la vie est l'objet de la police, il ajoute cette phrase magnifique, qu'on devrait se rappeler plus souvent, « Le seul et unique dessein de la police est de conduire l'homme au plus grand bonheur dont il puisse jouir dans cette vie. » Donc pensons-y la prochaine fois que nous croiserons les forces de l'ordre. Elles sont là pour nous conduire au plus grand bonheur. Donc c'est complètement étrange de prendre en charge comme ça le bonheur et d'assimiler ce bonheur au fait de favoriser la vie. D'accord ? Effectivement, ce qui légitime l'autorité de la police, c'est qu'elle nous protège. Mais c'est quoi nous ? C'est notre vie. D'accord ? Alors, voilà pour cet article qui montre effectivement qu'il y a donc... Dans un pouvoir de type pastoral, deux versants, un versant individualisant et un versant totalisant. La conséquence qu'en tire Foucault, c'est qu'il est tout aussi hasardeux d'opposer au pouvoir les intérêts de l'individu que les exigences de la communauté.
Et vous vous souvenez qu'hier, on a remarqué cette oscillation, ce basculement. On ne cesse d'opposer à l'autorité politique soit les droits de l'individu, soit les intérêts du groupe. D'accord ? Et ce que dit Foucault, c'est qu'à partir du moment où le pouvoir prend à la fois en compte le groupe et les individus, ça ne lui pose pas problème. Ce n'est pas vraiment ça qui va le remettre en cause. Et il sait répondre à cette opposition-là. D'accord ? Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que l'individuation et la totalisation sont des effets nécessaires du pouvoir moderne. Ça va pour ce point ? Alors, dernière remarque avant de passer au point suivant, toujours sur l'idée de vie. Pourquoi est-ce que l'idée de vie est liée à l'idée d'individu ? Il y a une dernière remarque que fait Foucault dans un autre ouvrage, dans un ouvrage qui s'appelle « La volonté de savoir ». Dans « La volonté de savoir », Foucault étudie un droit très important qui s'appelle le droit de vie et de mort. Vous connaissez ce droit de vie et de mort ? Pendant très longtemps, le droit de vie et de mort était le privilège exclusif du pouvoir souverain. À quoi on reconnaît un souverain ? À quoi on reconnaît une autorité forte ? C'est qu'elle a droit de vie et de mort. Mais, dit Foucault, il y a eu un changement extraordinaire dans le sens de ce droit de vie et de mort. Auparavant, le droit de vie et de mort, c'était quoi ? C'était le droit de mettre à mort, de faire mourir qui on veut, et de laisser vivre, sans se préoccuper de ce qu'ils font, les autres. Donc c'était faire mourir et laisser vivre. Foucault dit, et il me semble que cette remarque est extrêmement riche de pertinence et pour notre actualité, Foucault dit qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Il y a un pouvoir de vie et de mort qui est exactement inverse. L'autorité politique aujourd'hui, elle cherche à faire vivre et à laisser mourir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la mort tend à devenir de plus en plus un problème privé, qui ne concerne plus la communauté. Chacun est laissé seul face à cet événement, alors qu'avant, il y avait un ensemble de rites communautaires, enfin, de rites de l'ensemble du groupe, pour accompagner la personne qui meurt. De plus en plus, l'individu est laissé seul face à sa mort. En revanche, de plus en plus, l'État prend en charge tout ce qui touche à la vie, au renforcement de la vie. Alors, pour les formes concrètes, je vais y venir dans un instant, mais il y a deux exemples qui montrent ça. D'abord, la peine de mort. Pourquoi est-ce que la peine de mort est devenue intolérable et a été abolie d'une façon tout à fait logique ? Parce qu'il est incohérent pour un État qui vise à renforcer la vie d'exercer la peine de mort. Et donc, dit Foucault, ce ne sont pas tant les sentiments humanitaires qui ont conduit à l'abolition de la peine de mort que le fait que l'État se présente comme un moyen de renforcer la vie. Donc faire mourir quand on cherche d'abord à faire vivre, c'était devenu problématique. Puis l'autre exemple qu'il prend, c'est un exemple très important pour notre problème de l'individu. C'est le geste individuel par excellence, celui par lequel on se distingue absolument tout le reste, c'est le suicide. Le suicide, c'est vraiment un acte individuel. Que dit Foucault ? Le sens du suicide a changé. Auparavant, le suicide, c'était un crime. Et pourquoi c'était un crime ? Parce que justement, on usurpait le droit de mort du souverain. Enfin, le roi ou Dieu, si vous voulez. On se substituait à lui. Donc c'était un crime. Aujourd'hui, ce n'est plus un crime, c'est un problème. Pourquoi ? Ben, tout simplement, parce qu'à partir du moment où le pouvoir se donne pour tâche de gérer la vie, l'obstination de certains à mourir devient incompréhensible. Pourquoi vouloir mourir si ce qui est le plus important dans la vie, c'est de vouloir vivre ? Bon. Ça devient incompréhensible, et Foucault remarque que la sociologie moderne est née dans un ouvrage très célèbre de Durkheim qui s'appelle « Le suicide ». La sociologie est née en tentant d'expliquer cet acte individuel en le rattachant à l'ensemble du groupe. Donc, vous voyez, l'individu fait problème, l'individuel fait problème dans cet exemple du suicide. Alors voilà pour ce deuxième mot de vie qui tourne autour de notre idée d'individu. D'accord ? Une fois qu'on se donne comme objectif de préserver la vie, là on voit apparaître des individus. Et de fait, le mot individu n'est pas réservé à l'espèce humaine. On peut parler d'individu pour n'importe quelle espèce animale. N'importe quel représentant de n'importe quelle espèce animale est lui aussi un individu. D'accord ? Je pense que les biologistes, les naturalistes utilisent ce mot.
Je vous propose maintenant de passer aux deux versants du biopouvoir. Je vous ai promis donc deux versants. Je mettrai surtout l'accent sur le versant individualisant. D'abord parce que c'est le moins connu, et puis aussi parce que c'est notre thème. Et puis je vous dirai un mot en conclusion du deuxième versant, le versant massif. Alors, Foucault ne donne pas le même nom à ces deux versants. Alors je vous le donne, les deux appellations techniques qu'il a. Ça permet de clarifier bien les choses. Le versant individualisant, celui dont on va parler maintenant, Foucault l'appelle l'anatomie politique du corps humain. Donc il utilise le terme d'anatomie. Donc le biopouvoir, c'est deux choses. C'est d'une part l'anatomie politique du corps humain. Et l'autre versant, il appelle ça la biopolitique. La biopolitique, je préciserai. Ça va pour ces deux versants ? Alors, le problème des textes de Foucault, mais ce n'est pas un problème, c'est en fait ce qui fait toute leur grande richesse, c'est que la pensée de Foucault s'élabore devant nos yeux quand on lit son livre, et que parfois, au lieu de dire biopolitique, il dit biopouvoir, et au lieu de dire biopouvoir, il dit biopolitique. Donc tout ça est très confus, mais c'est ce qui fait la richesse de cette pensée en train de se faire devant nous. Alors, je vous parle maintenant de l'anatomie politique du corps humain. Et j'ajoute un nouveau mot autour du mot individu. Cette fois, on va étudier les rapports entre un individu et un sujet de droit. Et on va voir peu à peu cette idée d'individu remplacer l'idée de sujet de droit. Alors pour cela, posons d'abord une question. Comment le pouvoir politique peut-il s'exercer sur l'individu ? Comment fait-il pour se porter sur l'individu, lui seul en particulier ? Alors, il va prendre appui sur trois mécanismes, trois choses très importantes que Foucault présente dans Surveiller et punir. Je vous les énonce maintenant et je les passe en revue l'un après l'autre. Ce pouvoir va prendre d'abord la forme de la surveillance. Il va avoir l'idée qu'il faut qu'il exerce son pouvoir par ce qu'on va appeler la surveillance. Deuxième mécanisme, la discipline. Il va avoir l'idée que ce qu'on attend des personnes sur lesquelles il s'applique, c'est que ce soit des gens disciplinés. Et troisième mécanisme, l'examen. On va faire passer des examens aux gens, on va les noter, on va les évaluer. Et ça aussi, ça assure une obéissance totale et parfaite. Alors, comment est-ce qu'il va s'exercer sur l'individu ? Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un individu ? Un individu, c'est d'abord ce qu'on surveille. Pourquoi ? Pendant longtemps, le pouvoir politique s'applique par la force, la menace, la violence. Et les individus obéissent parce qu'ils craignent la menace de cette violence. Peu à peu, le pouvoir politique invente une nouvelle manière de faire obéir les hommes. C'est la surveillance. Et on va passer de l'idée de veiller sur son troupeau à l'idée de surveiller des individus. Et Foucault remarque qu'on assiste au XIXe siècle à une généralisation des mécanismes de surveillance. Alors pourquoi ? C'est là que c'est intéressant, on va reparler de la vie, vous allez voir. Les mécanismes de surveillance aujourd'hui, le fait qu'on mette des caméras dans les rues en pensant que le fait qu'il y ait des caméras va faire partir la délinquance, et ainsi de suite, tout ça, en fait, c'est l'héritier de deux pratiques, héritées de la lutte contre deux maladies. Alors, quelles sont ces deux maladies ? Ça remonte au Moyen-Âge, la lèpre et la peste. L'Europe a connu des épidémies de lèpre et des épidémies de peste. Et le propre d'une épidémie, c'est que la maladie devient un problème politique. D'accord ? En général, quand je suis malade, c'est moi en tant qu'individu qui suis malade. En quoi un événement qui m'arrive à moi, individu, peut-il avoir un rapport avec ce qui concerne la communauté politique dans son ensemble ? Eh bien, une fois que ça devient une épidémie, ça concerne tout le monde. Et donc, le pouvoir politique va devoir lutter contre la lèpre et contre la peste, mais pas de la même façon. Et je dirais même de deux façons totalement opposées. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ce sont deux maladies très différentes. D'accord ? Terribles, deux maladies terribles. Bon, la lèpre, c'est des maladies longues, qu'on ne sait pas soigner. Aujourd'hui, on sait, mais à l'époque, on ne savait pas les soigner. Et l'idée, c'est qu'on va lutter contre la lèpre par des mécanismes d'exclusion. On va chasser les lépreux. On va les mettre sur la route, finalement. C'est l'exil.
et on les met sur la route avec leur crécelle et l'obligation de s'annoncer pour que justement ils restent bien à l'écart du reste des individus. Donc on met en place un mécanisme d'exclusion. Pourquoi ? Parce que la lèpre aussi, elle défigure, elle rend le corps monstrueux, donc on ne veut pas voir, donc on exclut. Mais c'est très différent de la peste. La peste, c'est très, très contagieux. Et on meurt très vite, contrairement à la lèpre. Il est hors de question d'exclure les pestiférés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop nombreux. La dernière grande épidémie de peste en Europe, elle a tué 50% de la population. Vous imaginez, une personne sur deux, s'il faut exclure une personne sur deux, après, du coup, il y a plus d'exclus que de... Bon, donc ça ne marchait pas. Et donc, et puis ça va trop vite, la maladie passe trop vite d'un individu à l'autre. Et donc on va développer non pas des mécanismes d'exclusion, mais des mécanismes de surveillance. On va mettre en place un quadrillage très strict de la cité, on va interdire aux gens de sortir de chez eux, personne ne sort. On les oblige à apparaître à la fenêtre de leur maison chaque jour pour faire l'appel, pour voir si tout le monde est encore vivant, et on attribue à chacun une place à chaque fenêtre. Vous imaginez la vision de cette ville où chacun a sa place précise, une fenêtre par personne. Ça, c'est individualisant. D'accord ? Ça, c'est un mécanisme totalement individualisant. L'exclusion, c'est un mécanisme massifiant. On crée un groupe. Et on jette le groupe sur la route, mais on laisse le groupe s'organiser. On ne va pas aller voir ce qui se passe dans le groupe. Pour lutter contre la peste, on met en place des mécanismes de surveillance qui sont des mécanismes individualisés. Alors évidemment, c'est deux mécanismes contraires, et il va falloir trouver un moyen de les associer, les combiner ensemble. Comment peut-on massifier et individualiser en même temps ? Et c'est là qu'on a une idée géniale, on va inventer... un mécanisme qui est à l'origine des prisons. Foucault parle de l'invention d'un monsieur, un philosophe, qui s'appelait Jeremy Bentham, qui est très connu. Il a inventé une prison d'un nouveau type qui s'appelait le panopticon. Panopticon, en grec, ça veut dire tout voir. Pan, tout, opticon, comme dans l'optique. C'est une prison révolutionnaire, vous allez voir. Enfin, c'est une prison d'un type nouveau, disons. Il a une idée toute simple. Il dit, ben voilà, pour que les prisonniers soient bien obéissants, il suffit de les surveiller en permanence. Ou en tout cas, de leur faire croire qu'ils sont surveillés en permanence. Et donc, il crée une prison en forme d'anneau, c'est comme un cylindre, et au milieu, une tour. Et donc, le surveillant est dans la tour, et il peut voir toutes les cellules d'où il est. Mais, on met un système de persiennes et de cloisons qui fait que le prisonnier, lui, ne peut pas voir quand il est observé. Il ne sait pas s'il y a quelqu'un dans la tour en train d'observer. Mais le gardien, lui, peut tout voir. Vous avez vu ce que fait Bentham ? C'est tout bête, hein ? Mais c'est ça, surveiller. Il va dissocier le couple, voir et être vu. Je peux voir sans être vu. Ou je suis vu sans voir en retour celui qui me regarde. C'est ça, surveiller. Alors ça, c'est une invention toute simple, mais redoutable, redoutable, qui a des conséquences assez larges. D'abord, le pouvoir s'applique de manière automatique. Bentham en est très fier, ça, il dit, c'est génial. Le prisonnier se sentira constamment surveillé. Donc, il obéira constamment. Inutile d'exercer en permanence la menace de le punir. Il va intérioriser l'obéissance en se croyant observé à chaque instant. Donc, obéissance automatique. C'est pas un rêve politique, ça, extraordinaire ? Si on pouvait mettre ça en place ? Bien. Donc, vous avez compris, ça va donner lieu à des utopies assez délirantes au XXe siècle, de sociétés totalement disciplinées. Et, en même temps, l'autre conséquence, c'est que ce pouvoir est désindividualisé. Alors, attention avec ce mot, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'individu. Ça veut dire, et ça c'est génial pour la société du XVIIIe siècle, que c'est un pouvoir qui peut être exercé par n'importe qui. Puisque je ne vois pas qui est dans la tour, au lieu de mettre un gardien, je pourrais mettre une petite fille, innocente, toute gentille, qui exercerait un pouvoir terrible de coercition sur les prisonniers. D'accord ? N'importe qui, ça veut dire tous. Or, nous sommes dans une société démocratique, et la surveillance va permettre de généraliser... le panopticon va permettre de généraliser la surveillance.
en distribuant du pouvoir à tous. Nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, nous retrouver dans une situation de surveillance dans laquelle on aura du pouvoir. Dans une société démocratique, ce n'est pas une société où il n'y a pas de pouvoir, c'est une société où tout le monde a du pouvoir. C'est tout l'inverse. Et Foucault fait une comparaison très très instructive. Il dit la chose suivante. On dit parfois de notre société que nous sommes la société du spectacle. Et il dit, ben non, c'est faux. C'est pas du tout la société du spectacle. Dans un spectacle, c'est une personne qui se donne à voir à beaucoup de gens. Donc c'est une qui est vue par beaucoup. Nous, nous sommes dans une société de surveillance où c'est une personne qui voit seule beaucoup de gens. C'est exactement l'inverse. C'est la métaphore de la télé. Nous sommes seuls devant notre télé, mais notre télé, elle, par toutes les chaînes qu'elle nous offre, nous donne à voir beaucoup de gens. Et Foucault dit, c'est pas le spectacle qui nous permet de comprendre la société dans laquelle nous sommes, c'est l'idée de surveillance, une surveillance généralisée. Le deuxième mécanisme, c'est la discipline. La discipline pour faire obéir les gens, après la surveillance, qui va les individualiser aussi. Et Foucault remarque que le pouvoir va avoir cette idée étrange d'agir sur les moindres faits et gestes des individus. Alors, je vous donne un exemple assez fascinant. Dans « Surveiller et punir », au centre du livre, il y a des images. Ce qui rend le livre plus agréable à lire, bien sûr, pas de souci. Mais il y a une planche, alors vous pourrez venir la voir tout à l'heure, hein, où on voit un homme assis à sa table, en train d'écrire. Et en dessous, on voit sa main tenir une plume, un stylo. Et donc cette planche indique comment il faut se tenir pour tenir son stylo et écrire. Et ce texte est un texte institutionnel. Et Foucault se demande, mais d'où vient l'idée au pouvoir politique de s'occuper de la façon dont nous tenons nos stylos? Et, alors je vous lis le texte parce qu'il est extraordinaire, un texte, c'est l'ordonnance du 1er janvier 1766. Voilà ce que dit le texte. Alors, voilà comment il faut écrire. Écoutez bien, hein, puisque vous êtes en train d'écrire. Il faut tenir le corps droit, un peu tourné et dégagé sur le côté gauche, et tant soit peu penché sur le devant, en sorte que le coude étant posé sur la table, le menton puisse être appuyé sur le poing, à moins que la portée de la vue ne le permette pas. La jambe gauche, attention à vos jambes gauches, doit être un peu plus avancée sous la table que la droite. Il faut laisser une distance de 2 doigts du corps à la table. Hein, 2 doigts, pas plus, pas moins. Car non seulement on écrit avec plus de promptitude, mais rien n'est plus nuisible à la santé que de contracter l'habitude d'appuyer l'estomac contre la table. Rien n'est plus nuisible à la santé. Comment se justifie le pouvoir politique? Toujours par la vie. Je vous dis comment vous tenir, au nom de la vie, au nom de votre santé, bien sûr. Et voilà comment il faut tenir le bras. La partie du bras gauche, depuis le coude jusqu'à la main, doit être placée sur la table. Le bras droit doit être éloigné du corps d'environ 3 doigts et sortir à peu près de 5 doigts de la table sur laquelle il doit porter légèrement. Et redoutable. Vous imaginez le degré de précision dont est capable ce pouvoir politique, puisqu'il va jusqu'à s'immiscer dans la façon dont nous tenons nos stylos. Et évidemment, personne ne tient son stylo comme ça, si vous voulez. Mais on remarque effectivement qu'il y a maintenant des manières de tenir nos stylos qui sont presque propres à nos sociétés. Et j'ai eu l'occasion d'enseigner aux États-Unis, j'ai remarqué que les jeunes Américains ne tiennent pas exactement nos stylos comme nous. Ils ont été formés d'une autre façon. Nous, ça, c'est l'héritage d'une époque où on s'est dit, tiens, et si le pouvoir politique s'occupait de la façon dont les gens tiennent leur stylo? Et pourquoi s'occuper de la façon dont les gens tiennent leur stylo? Pour faire des gens disciplinés. Alors, qu'est-ce que c'est que la discipline? Définition. La discipline, c'est très important. La discipline, c'est, je donne la définition exacte, le mécanisme par lequel on rend un corps d'autant plus obéissant qu'il est utile, et inversement. C'est rendre le corps d'autant plus obéissant qu'il est utile et inversement. Alors ça veut dire quoi? Le rendre d'autant plus obéissant qu'il est utile et inversement. Ça veut dire que plus je rends un corps utile, plus je le rends obéissant. Ou plus je le rends obéissant, plus je rends utile. Et donc, qu'est-ce qu'on va demander aux prisonniers, par exemple, à qui on demande d'obéir? On va aussi leur demander d'être utiles. Donc, on va les mettre au travail.
Et qu'est-ce qu'on va demander aux gens à qui on demande d'être efficace et précis? On va leur demander d'être obéissant aussi. Le fait d'être efficace et précis dans nos gestes nous rend obéissants. C'est toute la différence avec l'esclavage et l'ascétisme. Dans l'esclavage, les corps sont très utiles, mais c'est difficile de les faire obéir. Ils ne pensent qu'à une chose d'ailleurs, c'est s'échapper. Bon. Et donc il faut sans cesse, par la force, les contraindre à l'obéissance. Ça c'est l'esclavage. Grande utilité, peu d'obéissance. Dans l'ascétisme, ben, c'est l'inverse. Mon corps est très obéissant. Quand je suis un ascète, je suis capable de passer plusieurs jours sans manger, de me retenir, de me tenir dans des positions délicates et inconfortables pendant plusieurs heures. Mon corps est absolument obéissant. Mais tout cela n'a aucune utilité. Dans la discipline, il y a un miracle qui s'opère. L'utilité et l'obéissance vont de pair. Donc ça va devenir un des enjeux principaux du pouvoir politique de s'appliquer sur des individus, et en s'appliquant sur des individus, de chercher à les rendre disciplinés. Enfin, le troisième mécanisme par lequel le pouvoir politique s'applique sur des individus, ce sont les examens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour vérifier qu'un comportement est correct, on va le noter, le mesurer, le répéter plusieurs fois. On associe l'exercice du pouvoir à l'exercice de l'examen. Comme si le pouvoir était lié au savoir. Et c'est ce que disait Michel tout à l'heure. L'idée de relier le pouvoir au savoir, elle est un héritage de cette société disciplinaire qui se met en place au XVIIIe siècle. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'évaluation. Aujourd'hui, on dit que tout doit être évalué. La justice, la santé, l'école, et même les ministres. Et donc je vous rappelle cette déclaration mémorable, donc, de Madame Christine Lagarde, qui, à la suite de son entretien d'évaluation avec son Premier ministre, est sortie de son entretien d'évaluation, pour montrer l'exemple, si vous voulez, aux Français, hein, accepter d'être évalué, d'ailleurs, regardez, même vos ministres le font. Donc Madame Lagarde sort de son entretien d'évaluation et elle déclare aux Parisiens, c'était en septembre 2008, 5 septembre 2008, la date est importante, elle sort en disant « J'ai 22 indicateurs sur 30 au vert ». Sous-entendu, 22 sur 30, c'est bien. Eh bien, un mois après, c'était la crise boursière et financière que vous connaissez. Donc, je ne sais pas quels sont ces 8 indicateurs qui étaient au rouge, mais dans les 8, il y avait un problème. Bon, passons sur cette évaluation. Ce que je retiendrai simplement de cette idéologie d'évaluation dans laquelle nous sommes tous pris, c'est que, n'oubliez jamais ça, l'évaluation mesure des performances. Or, ce mot « performance » est problématique, parce qu'il est à la fois quantitatif et qualitatif. Qu'est-ce que c'est qu'une performance? D'abord, la performance est quelque chose qui peut se mesurer de manière objective. Par exemple, quand je parle des performances d'une machine, si je dis, par exemple, que ma voiture consomme du 9 litres au 100, ou, je ne sais pas si c'est une performance. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette performance-là s'établit par la répétition d'un certain nombre d'observations et d'examens. D'accord? Donc je mesure objectivement une performance. La performance, c'est une donnée objective mesurée par la répétition. Mais le même mot désigne aussi quelque chose de qualitatif, d'unique, d'exceptionnel, d'individuel, lorsque je parle par exemple de la performance d'un cheval, la performance d'un champion, ou la performance d'un artiste. D'accord? Pourtant c'est le même mot. C'est le même mot qui va servir à désigner quelque chose de quantitatif et de qualitatif. Donc quand on nous demande d'être performant, qu'est-ce qu'on nous demande exactement? J'ai encore une minute, ça? Moi j'arrive à la fin. Donc, allons-y. En conclusion, une citation de Michel Foucault qui résume ça. À la fin de son chapitre sur le panopticon, voilà ce qu'écrit Michel Foucault. Il dit, il a cette phrase importante pour notre problème. Ce qui désormais s'impose à la justice pénale comme son point d'application, son objet utile, ce ne sera plus le corps du coupable dressé contre le corps du roi. Soulignons le mot corps. Ce ne sera non plus le sujet de droit d'un contrat idéal, soulignons le mot sujet de droit,
ce sera l'individu disciplinaire. Corps, sujet et individu. Voilà des mots qui sont à mettre en relation. Il y a un dernier mot qu'il faut mettre en relation, je le mets en conclusion, c'est l'autre versant du biopouvoir. Quand le pouvoir porte sur la masse, cette masse, comment va-t-il l'appeler ? Quand il va s'occuper justement des maladies, des accidents, de la vieillesse, des problèmes de circulation dans les villes, et ainsi de suite. Cette masse, le pouvoir ne l'appelle pas la communauté. Cette masse, le pouvoir l'appelle la population. Le contraire de l'individu, ce n'est pas la communauté. Le contraire de l'individu, c'est la population. Et quand un homme politique choisit de parler de population, c'est pour ne pas parler de peuple. Je termine sur cette idée. Le mot individu a remplacé dans notre vocabulaire le mot citoyen. Le mot population a remplacé le mot peuple. Je vous remercie.